Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais une review Monster High avec une swim class et c'est Venus Mac Flytrap. Donc voilà la boîte. On retrouve le logo Monster High en haut et sur le côté droit. On a un icône qui représente cette collection, son nom et un dessin. Donc vous pouvez voir la poupée à travers la boîte. Le fond est noir et bleu. On a des requins au fond, sa serviette et son sac. Voici l'arrière de la boîte. Donc ici on a le logo Monster High, Beyond a Bionic Bio Monster, Perfectly Suited for Some Scary Cool Fun in the Sun. Et là on a les trois. Donc j'ai fait Draculaura déjà en review, si vous voulez l'avoir sur ma chaîne, n'hésitez pas à parcourir mes vidéos. Donc maintenant je vais ouvrir la boîte. Alors voici Venus McFly Trap déboxé. Je vais rajouter un socle que j'avais, comme il n'y en avait pas dans la boîte. Alors j'ai commencé par vous montrer son visage. Elle a un maquillage vert autour des yeux. Un rouge à lèvres rose avec ses petites dents comme d'habitude. Donc elle ne porte pas de boucle d'oreille. En ce qui concerne sa coiffure, donc elle a les cheveux rasés d'un côté. Donc c'est doux là, c'est rose. Et sinon elle a les cheveux longs avec une queue de cheval en arrière. Donc c'est rose et vert. Sur le devant, ici on a une petite queue et ça fait un peu remonter en fait. Voilà. Elle porte des lunettes de soleil vertes, donc super sympa. Et sur le dessus on a comme des dents. Alors ensuite je vais passer à son maillot de bain. Donc c'est un maillot une pièce. Alors au niveau du haut on a comme un col, c'est vert, c'est transparent. Et ici on a des petits motifs, voilà, fait des courbes. Sinon son maillot de bain est de couleur noire, rose, jaune et blanc. Et il y a aussi un tout petit peu de vert. Donc ça fait un peu comme des dents en fait, un peu une plante carnivore. Donc voilà, elle a du feuillage autour des poignets et des chevilles comme d'habitude. Elle est accompagnée d'une serviette qui reprend les motifs du maillot de bain, donc toujours des dents. Et sinon elle a un sac donc de couleur rose légèrement transparent, et en fait ça reprend aussi les dents de la plante carnivore, donc super sympa. Et maintenant ses chaussures, donc de couleur rose, donc elles sont plutôt simples comme vous pouvez le voir. Donc je fais une petite mise au point pour vous montrer. Donc ici on a des tiges de plantes, mais c'est de couleur rose, voilà. Et le devant ça fait comme une plante carnivore, une tête de plante carnivore. Sur les talons on retrouve les mêmes motifs que sur la serviette, donc comme des dents, des crocs, voilà. Donc c'était la review de Venus Swim Class, j'espère que cette review vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à regarder celle de Draculaura que j'ai faite. Et je vous dis à bientôt pour celle de Laguna. Voilà, salut, merci d'avoir regardé cette vidéo.